Malgré cela, malgré ta passion pour les sciences et ta connaissance des petits outils sceptiques, tu ne rejetais pas totalement l'idée d'un dieu. Ah, j'ai pas dit ça, j'ai dit que je croyais en Dieu. Tu croyais en Ah Dieu. ouais, c'est Ouais, pas ça, c'est pareil. le mot. Alors, texto, c'est la C'est pas phrase. pareil, D'accord, ok. Curieuses et curieux, bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne après, après les dernières vidéos. On est sur quelle chaîne? On est sur la chaîne sérieuse. Regarde ma casquette. Point d'interrogation. Point C'est d'interrogation. ça. Donc, bienvenue dans cet épisode de Mister Who. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense honneur de recevoir Bruce de la chaîne Y Penser. Bonjour. Bruce qui n'est pas pour rien dans l'existence même de cette chaîne, pour ceux qui me connaissent vraiment bien. C'est vrai. Il a utilisé mon RIB pour commencer. Et il a arrêté, puis il s'est mis à gagner de l'argent. Voilà, c'est ça. Je vole de mes propres ailes. Non, mais il y en a qui vont se faire des théories maintenant, c'est ça qui est drôle. Je crois qu'ils nous attendent. Eh bien donc, le principe de l'émission est assez simple. On va discuter de la place du scepticisme et aussi de la croyance dans ta vie. C'est un petit peu le tour de tout ça que je fais dans cette émission. Avec évidemment ouverture d'esprit, écoute, pas de jugement, tout le bordel. Enfin, on fait tout bien, quoi. Donc, pas de jugement, on verra. Pas de jugement, on verra. À ce point-là, à ce point-là. Non, je déconne. J'ai réussi à discuter avec Jean-Pierre Petit quand même, donc ça va. Parce qu'il y a un peu, ça, tu vois, il y a un peu une ligne comme ça, et alors il y a Bruce d'un côté, puis Jean-Pierre Petit de l'autre. On verra. Ça, hein, on verra, d'accord. On verra. Ok, ça va être intéressant. Là, les questions que j'ai envie de te poser, c'est... Parce que bon, toi, on te connaît parce que tu fais des émissions sur le thème de la science, etc. Mais si tu parles de science, c'est forcément que tu sais qu'il ne faut pas juste s'arrêter à nos a priori, tout le bordel. Donc finalement, que le scepticisme a une forme de place dans ta vie depuis le départ. C'est un piège! Alors... Bruce Benhamran. Benhamran ou Benhamran d'ailleurs, j'ai Moi je dis Benhamran, mais tu peux dire Benhamran, Benhamram, on dit tellement de choses. Sur Europe 1, un jour ils m'ont appelé Bruce Mamaran. Ah merde. Merde. Ouais, ça va, moi ils m'ont pas écorché. Mais Ils ont dit Bouisseret peut-être. Ah, et j'ai rien entendu. Ils ont dit Buisseret, je suis sûr. Ah ouais, c'est ça, et j'ai pas fait gaffe. Samuel Buisseret, bonjour. Bonjour. Donc. Bruce Benhamran, c'est quelqu'un qui est né directement dans une famille un peu sceptique, un peu ou plutôt croyante, ou plutôt c'est quoi? C'est quoi le milieu d'origine? Le milieu d'origine, et c'est un milieu qui est assez rationnel, on va dire, mais j'irai pas jusqu'à sceptique. C'est un milieu dans lequel il existe des croyances, il existe des superstitions, mais rien de... Rien qui a un impact notable sur la vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est de la petite croyance légère. Je vais inventer, mais je veux pas un truc du style. Il y en avait un qui se levait, qui posait d'abord le pied droit et dit je peux pas sortir de la maison aujourd'hui. Tu vois, pas des trucs comme ça. Est-ce qu'on jouait à l'auto un vendredi 13 ou ça commence là ou Non, pas spécialement jouer à l'auto, mais pas spécialement le vendredi 13. Ou alors, j'ai vu un truc sur Twitter, apparemment c'est un artiste qui a fait ça, je crois que c'est à Londres, il a dessiné un énorme cercle par terre, et il a mis au milieu « zone de mauvaise chance »,« bad luck area ». Bad luck area, ok. Alors, ton milieu, il contourne cette zone ou il passe à travers et balèque? Alors, il y a un gars qui a dessiné « bad luck area » par terre dans la rue, mon milieu, il s'en branle et il traverse. Mais si c'est pas ce gars-là et que c'est dans d'autres circonstances, etc., il peut y faire un peu attention. D'accord. Après, ça c'est mon milieu, c'est pas moi. Moi, c'est encore différent. Mais donc toi, t'es né dans un milieu où il y avait pas vraiment, c'était pas tranché quoi. La question croyance, scepticisme, science, c'est Alors, pas tranché. Moi, j'ai grandi dans un milieu où on se méfie pas de la science. On dit pas oui, la science c'est ton opinion. Ou après, si tu veux, moi je suis né en 77, si tu veux, j'ai grandi dans les années 80. On se posait pas les mêmes questions qu'aujourd'hui. Ouais. Il y en a, on se les posait pas encore, et puis il y en a, franchement, je te demande pourquoi on se les pose aujourd'hui. Mais de ce point de vue-là, non, de ce point de vue-là, je dirais que la science, voilà, c'était, pour le dire bêtement, c'est bêtement, j'aime pas cette expression, mais on y croyait à la science, quoi. La science, elle disait, s'il se passe ci, il se passe ça, bon, s'il se passe ci, il se passe ça. Oui, à l'époque, il y avait une espèce de, enfin, respect, je vais pas dire respect, mais il y avait une espèce d'aura...
les médias étaient en charge de donner l'information, c'est ça. Les scientifiques étaient en charge de donner l'information scientifique, et tout était assez simple, il n'y avait pas une horizontalisation comme maintenant, voilà. Tout azimut. Après, moi j'ai grandi dans un milieu où on ne cherchait pas spécialement l'information scientifique. Celle qui arrivait jusqu'à nous, on l'accueillait, mais il n'y avait pas des revues scientifiques à la maison pour dire l'état de la science. C'est quoi la science dans ta vie? Elle est rentrée quand? La science est rentrée hyper tardivement dans ma vie. En fait, moi, ce qui est rentré dans ma vie assez tôt, c'est un truc, c'est marrant, parce que maintenant, là, je viens de tilter, c'est le truc dont je parlais dans la conférence vulgarisateur qui était ma toute première conférence. La chaîne est sur le point de dépasser les 300 000 abonnés. Genre en 2014... où je disais, en fait, moi, ça a commencé parce que je me posais plein de questions. Notamment, je me posais plein de pourquoi et de comment. Voilà. Et il y a cette anecdote que me racontent mes parents, dont j'ai absolument aucun souvenir, évidemment, qui est que à 5 ou 6 ans, j'ai voulu comprendre comment fonctionnait le magnétoscope. Donc, j'ai pris un tournevis et puis je l'ai démonté. sans le débrancher. et voilà. Donc, j'avais que 5 ou 6 ans, quand même, faut pas déconner. Voilà. Mais a priori, il n'était pas cassé quand même. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai remonté derrière ou si c'est mon père ou ma mère qui l'a remonté derrière, mais voilà. Je voulais comprendre comment le... En fait, je savais que sur la cassette à l'arrière, la bande se levait, mais après, on ne pouvait pas le faire tout seul, il fallait appuyer sur le bouton. Et quand on rentrait, je ne savais pas comment elle se levait. Et oui, donc, j'ai ouvert palais, et puis j'ai vu. J'ai mis une cassette, j'ai vu. Je dis d'accord, voilà. Excellent. Mais c'était, voilà, donc moi, c'était pas spécifiquement des questions scientifiques. Plus par l'ingénierie. C'était du pourquoi, comment ça se fait, etc. Et alors, du coup, quand tu commences y penser, ta relation aux sciences, c'est quoi? C'est celle, par exemple, dans ton groupe d'amis, t'es toujours celui qui connaît les histoires scientifiques et tu t'es dit, je vais faire un truc? Dans mon groupe d'amis de l'époque, j'étais le Ross Geller. Pour le personnage de Friends, pour ceux qui sont trop jeunes, celles et ceux d'entre vous qui sont trop jeunes. En fait, tu vois Ross Geller dans Friends. Quand il parle de dinosaures. Ses potes vont... Ouais. Ça, voilà. Moi, j'avais un peu ça. Mais vous savez que si moi... Bon, d'accord. C'est vrai que au moment où je lance la chaîne, par contre, derrière moi, j'ai fait maths P, j'ai fait des études de maths et d'informatique. Quand même. Donc quand même bien dans le milieu. J'avais quand même une base scientifique, mais par contre, le fait est que ça faisait longtemps que j'étais loin des sciences à proprement parler. C'est-à-dire que je faisais pas de physique, je faisais pas de chimie, je faisais pas de bio, enfin de SVT. Ouais. Je faisais pas de, je faisais rien de tout ça en fait. Et à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, t'es déjà au courant qu'il y a le mouvement sceptique, la zététique, ces trucs-là, faisais rien de tout ça. Moi, le mot zététique, je l'ai découvert la première fois dans la bouche de Mandax. De la tronche en biais. C'est une bonne introduction. Voilà. C'était quand j'ai découvert la tronche en biais et qu'il a parlé de zététique et à tel point qu'au début, je pensais que c'était un néologisme qu'il avait inventé le mot. D'accord. Enfin, lui ou Vlad, je sais pas, mais je pensais qu'ils avaient inventé le mot. Il dit, on fait de la zététique. Ouais. En fait, c'était une poignée de main. Hein, alors c'est tout con aussi, c'est parce que c'est à peu près à la même période que j'avais appris l'existence de la pataphysique. Ah ouais. Et donc, du coup, comme la pataphysique, c'est un mot qui a été inventé, je me suis dit, bon, bah, c'est un truc pareil, sauf que ça, c'est sérieux. Tout le monde se repait. Je crois que ça mériterait une dissertation de 2 heures supplémentaires. On va faire un live sur Twitch. Au moment où tu lances ta chaîne, est-ce que t'as en toi comme ça des croyances qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'un peu complotiste ou un peu conspirationniste ou un peu New Age ou un peu des trucs qui j'ai quelques croyances qui relèvent de l'ordre ou en tout cas. C'est-à-dire pour moi, ce sont des croyances complotistes, c'est clair et net, mais d'un complot dont je suis persuadé, dont je suis convaincu qu'il a existé, parce que je ne veux pas t'apprendre ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tout est un complot, mais il ne faut pas non plus croire que les complots n'existent pas. Mmh. Et donc voilà, un exemple frappant auquel encore aujourd'hui je crois, et qui pourrait faire hausser quelques sourcils, c'est que JFK n'a pas été tué simplement par Lee Harvey Oswald tout seul avec une carabine. Voilà. Complotiste ? Ça, il y a quand même un paquet d'éléments aujourd'hui qui permettent de dire que manifestement, il n'était pas tout seul. S'il n'était pas tout seul, les mecs se sont mis d'accord, c'est un complot. C'est de ce point de vue-là. En revanche, j'ai absolument aucune croyance particulière sur c'était la CIA, c'était le président, le vice-président Lyndon Johnson, c'était la mafia. Ce qui est sûr selon moi, c'est que le gars tout seul, c'est pas plus. D'ailleurs, je crois que dans les années 90, suite à la sortie du film JFK, le Congrès américain a demandé une enquête complémentaire et ils ont abouti à la conclusion que c'était Lee Harvey Oswald qui
qui était là, qui avait tiré, qui, voilà, mais qu'il n'avait pas pu faire ça tout seul. D'accord. Ça, c'est le compte-rendu définitif de cette... Qui date de 92-93, je ne sais plus. Il faudrait voir, en fait, c'est à la fin du film JFK, il y a un petit bandeau de texte qui explique justement, et j'avais suivi ce truc-là, j'étais retombé sur le papier public, sur le site du Congrès, je pense, ça se trouve. Donc, tu n'as pas non plus un réflexe allergique à l'idée de complot? Ah non, mais il y a des complots qui existent, hein, bien sûr. Alors moi, en ce qui me concerne, je n'ai absolument jamais étudié l'affaire JFK, donc je ne peux pas... Je peux pas me prononcer, je peux pas dire qu'on n'aille pas dire sur la chaîne de Monsieur Sam, on légitime la théorie du complot JFK, s'il vous plaît. À quel moment tu t'es vraiment rendu compte qu'il y avait un truc qui s'appelait le scepticisme et qui, comment dirais-je, qui embarquait tout un tas de méthodes, une culture en fait, une culture de scepticisme. C'est une réponse, mais elle est... Ah ben vas-y, balance. Elle est relou. C'est quand ils ont commencé à me casser les couilles. C'est quand ils ont commencé à me casser les couilles pour de vrai. Ça a commencé sans doute à peu près vers 2015 quand s'est posé la question des sources. Ouais. Donc je vais faire un bref résumé pour les gens qui s'en rappellent pas ou qui n'ont pas connu ce truc-là. C'était qu'à un moment donné, il y a une grande question qui s'est posée, c'est la question de la responsabilité des vulgarisateurs vis-à-vis du public. Et en gros, il y a eu deux écoles. Il y a eu une école qui considérait que les vulgarisateurs étaient en mission pour éduquer la population. Je l'ai déjà entendu, alors il y avait sans doute des façons plus ou moins mesurées de le dire, mais je l'ai déjà entendu tel quel. Et il y avait une école qui consistait à dire, on fait des vidéos d'entertainment, c'est le mot edutainment qui est arrivé par la suite. Pourquoi si on apprend des trucs, si les gens, ça éveille leur curiosité, qu'ils ont envie d'apprendre des trucs, c'est cool. C'est ce que j'appelais l'école, c'est pas sorcier. Bah c'est ça en fait, ouais. Voilà. Et dans ce grand débat de la responsabilité des vulgarisateurs, en parallèle, il y avait des groupes qui commençaient à se constituer, notamment le plus gros groupe et qui perdure encore aujourd'hui, il me semble, c'était la Vidéothèque d'Alexandrie, qui consistait à essayer de rassembler un maximum de vulgarisateurs, principalement de YouTube, je pense aujourd'hui peut-être même de TikTok, mais en tout cas à la base c'était principalement de YouTube et sans doute Dailymotion. Et donc, comme ils ont voulu rassembler un maximum de gens, ils se sont dit on ne peut pas non plus laisser rentrer n'importe qui, n'importe comment, il faut qu'on commence à mettre en place des règles. Et il y a une de ces règles qui m'avait hérissé un peu le poil, c'était il faut impérativement mettre ses sources. Et moi j'avais dit non, ce n'est pas une obligation. J'avais fait un débat d'ailleurs avec... Tu ne l'avais pas dit pour toi, tu l'avais dit dans le sens... J'avais dit ça ne doit pas être une obligation. C'est-à-dire, on n'est pas en train d'écrire des thèses, on n'a pas d'obligation bibliographique, c'est pas sorcier, vous pourrez courir tout ce que vous voulez, il n'y a jamais eu de source nulle part. Dès que vous aviez un journaliste scientifique qui passait au JT pour présenter, pour dire voilà comment Ariane 4 va faire ci ou ça, il n'y avait pas de... Pour plus d'informations, allez sur le site de... Enfin, allez sur le site, non, mais il n'y avait pas de source. Et moi, je disais, c'est important d'avoir des sources, mais il n'y a pas d'obligation de les mettre. On me répondait, si déjà tu les as, mets-les. Ce que M. Phi a traduit avec un petit peu d'humour par « mettre ses sources, ça oblige à en avoir ». Ça, c'était un petit taquet qu'il m'avait envoyé, mais bon, voilà. Là où il n'a pas tort, et ça, c'est ce que j'avais dit à Mindax dans un live, qu'on avait fait un live de Pharos sur la chaîne donc, de la Vidéothèque d'Alexandrie, c'était... En fait, j'avais fait une analogie avec un jour mon beau-frère, je discutais avec mon beau-frère sur le fait que c'était chiant de devoir mettre un costard pour aller bosser et pour aller en entretien d'embauche. Je dis, moi je suis informaticien, les mecs ils veulent un geek, qu'est-ce que ça change que je vienne avec un costard cravate? Et il m'avait répondu, tu fais ce que tu veux, mais personne ne te reprochera jamais de venir avec un costume cravate, alors qu'on pourra peut-être te reprocher de venir autrement. Mmh. Moi j'avais dit un peu de la même manière, j'avais dit, ce qui est sûr c'est que personne ne te reprochera jamais d'écrire tes sources. Ouais. Voilà. Mais je veux pas que ça devienne une obligation. Après, moi, je partais aussi du principe que, bon, bah voilà, quelqu'un qui dit de la merde, bah oui, de toute façon, ça existe. Ouais. Et puis voilà, et puis à un moment donné, il y a des commentaires et des choses, il y a des gens qui vont dire, bah non, mais ça, c'est de la merde, et puis ça tiendra pas. Que, de la même manière qu'on peut très bien dire de la merde en ayant plein de sources. Et puis, si tu me permets une petite remarque quand même, ton contenu est vérifiable. Alors, c'est là où ça rejoint, donc du coup, on revient sur la question que tu avais posée, c'est à quel moment j'ai découvert cette utilité, si tu veux, c'est que. Du coup, moi, on me reprochait de ne pas mettre mes sources.
C'est un truc qui est allé assez loin, puisqu'il y a en 2018, il y a le ministère de la Culture qui avait sorti une liste des 350 chaînes de vulgarisation francophone. C'est un truc qui avait été commandé par le gouvernement, si tu veux. 350 chaînes YouTube francophones intéressantes pour la culture et l'éducation. Et moi, je suis bien sûr donc dans ces 350 chaînes. Je suis la seule chaîne sur les 350, la seule, à avoir un disclaimer. La seule chaîne sur laquelle il y a marqué « Attention, il ne met pas ses sources », contrairement aux usages. Et ce qui est marrant, c'est que trois cases plus haut ou trois cases en dessous, il y a « C'est pas sorcier ». Voilà. Et il ne corrige pas ses erreurs. Alors ça, c'est un truc, toi-même, tu sais, la disparition des annotations sur YouTube a fait beaucoup de mal. Bon, là, je suis un petit peu emmerdé, mais j'ai pas le choix, je dois faire mon travail. Non, c'est faux. Bruce n'est pas le seul à avoir eu une annotation désagréable à côté de sa chaîne, dans les 350 chaînes présentées. En effet, il y en a deux autres qui ont eu des réprimandes, et je trouve que c'est tout à fait à la hauteur. Hein. On a Technophile, où il est écrit très clairement « Attention, le son n'est pas toujours très bon ». Et on a l'Antisèche, où il est écrit « Attention, il y a une différence entre avoir l'impression de réviser et vraiment réviser ». Voilà. Non, alors pour les deux du fond qui n'auraient pas compris, je blague évidemment. Il y a deux autres remarques, mais elles sont totalement insignifiantes et incomparables à celles que Bruce s'est pris, qui est parfaitement injustifiée. Mais je reviens à ce que je disais, on m'a reproché de pas mettre de chance, et en réalité, ce qui se passe, et pourtant je l'ai dit plusieurs fois, je l'avais dit notamment dans ce fameux live avec Mandax, je dis, moi, mes vidéos sont blindées de sources. Je dis tout le temps mes sources, c'est juste que je n'écris pas mes sources nécessairement dans la description. Et en réalité, ce besoin de mettre ses sources est devenu un besoin d'avoir une espèce de bibliographie. Et c'est, voilà. Et donc c'était parti de là, et c'est un truc qui m'a suivi pendant des années, c'est-à-dire encore aujourd'hui, il y a quelques membres que je ne vais pas citer, parce que bon, c'est des gens que je ne connais pas personnellement, mais régulièrement, qui ressortent un petit taquet sur cette histoire de source. Alors je dis, attendez les gars, c'est bon, est-ce que vous avez vérifié? Moi j'avais contacté la meuf qui a fait le document là pour le ministère, je lui avais dit, mais... vous avez vu toutes les chaînes? Elle m'a dit oui, toutes les chaînes. Je dis, vous avez vu que sur ma chaîne il y avait des sources? Elle m'a trouvé une vidéo où dans la description il y avait aucune source. Je dis, vous avez vu la vidéo? Je parle pas de la description, la vidéo. Vous l'avez vu ou pas? Parce que quand dans la vidéo je dis en 1905, Einstein écrit en mars dans les annales de la physique volume 19, bah c'est une source. D'autant que si je me souviens bien, moi je suis aussi dans cette liste et sur ma chaîne il y a des vidéos qui n'ont pas de source. Ça m'a été reproché par. Les M dans un de leurs articles, ils ont réussi à en déterrer une. On vous salue les gars. Très clairement, cette liste, tu veux, c'est quelqu'un du groupe sceptique qui a aidé, j'imagine, cette personne à connaître la liste. C'est du copinage. Je sais pas à quel point il connaissait ou pas, et a constitué cette liste et qui a dit alors attention, cette chaîne, il y a ça et ça. Mais ce que je note, c'est que c'est la seule chaîne sur laquelle. Ils ont eu la présence d'esprit, ils auraient pu dire sur d'autres chaînes, attention, cette chaîne, il y a ce problème, si cette chaîne... Non, c'est juste cette chaîne, attention. Ouais, donc c'est vraiment du commérage, quoi. Et si moi, je sais pas dans quelle mesure c'est un petit peu un badge of honor, tu sais, ouais. Et dans quelle mesure, j'ai pas envie quand même de leur rentrer dedans de temps en temps, de dire, bon, qui est responsable de ça? Maintenant, ouais. Cela étant, une fois que j'ai balancé mes crottes de nez, si tu veux, c'est à côté de ça, c'est effectivement à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir qu'il existait une culture. Alors, une sphère, culture, on va dire, une culture sceptique. Que un j'ai... geekisme du scepticisme. Et ouais, mais par contre, je l'ai instantanément, à ce moment-là, identifié. Pour moi, c'était exactement la même chose que la zététique. C'était la même sphère, les mêmes personnes. Totalement, il n'y avait pas de truc différent. Mm-hmm. Au début, en tout cas, oui. Voilà. Et c'est un truc dont je me suis beaucoup tenu à l'écart. Mais tu t'en es tenu à l'écart sur l'aspect communautaire, mais au niveau du contenu, est-ce que tu savais déjà pour les biais, les petits proverbes ceci, tu vois, tous les... Oui, j'avais déjà fait des vidéos sur des biais, notamment sur l'effet cigogne, sur la corrélation causalité. J'en connaissais bien sûr quelques-uns, alors pas tous, hein, bien sûr. Et puis surtout, moi j'ai l'impression, c'est à chaque fois, j'ai l'impression qu'on, des fois, on invente des... Ah, moi j'en ai inventé plein. Non, mais genre, le biais du matelas pneumatique, enfin, tu peux inventer ce que tu veux, tu vois, tu vas trouver l'analogie qui va bien, et si ça fait sens, ça fait sens. Quand j'ai commencé, j'avais séché le web pour les répertorier, j'en avais 53, aujourd'hui, il y en a 157.
Enfin, la dernière fois que j'étais cherché, il y en a 157. Il n'y a pas de doublon. Il y a une roue des biais cognitifs sur Wikipédia. Ouais. Je ne sais pas si elle est encore là, d'ailleurs. Enfin, je la mettrai, évidemment, comme je mets les sources pendant qu'on parle. Il y avait David Loapre qui avait fait pas mal de vidéos. Il avait fait une série sur sa chaîne Science Étonnante. Cette série s'appelait Crétin de cerveau. Crétin de cerveau, oui. Je fais une toute petite parenthèse. Alors j'aime beaucoup les vidéos de David Loapre, mais c'est vrai que moi on m'a beaucoup reproché de ne pas être légitime à parler de physique, alors que, et en même temps on me disait ouais, alors que tu vois David il a un doctorat en physique des particules et tout. Je dis, très bien, je dis, il a quoi, c'est quoi le doctorat pour les biais cognitifs? C'est pas contre David, hein, c'est vraiment contre les gens qui critiquaient à chaque fois, mais cette série Crétin de cerveau, elle est assez... Alors, je sais pas combien il a fait de numéros, mais il en avait fait de mémoire, il en avait fait au moins, j'en avais vu au moins 5 ou 6, je pense, et c'était pas mal du tout. Mm-hmm. C'est pas mal du tout, mais voilà, mais on est loin des 157. Ouais, totalement, d'autant qu'il soit, bon, c'est totalement absurde. J'en ai inventé un dans mon livre aussi, j'en ai glissé un dedans, totalement inventé. Faisons-nous plaisir. Mais des fois, il y en a qui ont des titres assez marrants. Oui. Alors, t'as des mélanges avec du latin et tout. Alors, on voit bien ceux qui aiment bien quand c'est pompeux, et on voit bien ceux qui aiment bien quand c'est... Ad nauseam, ad populam. Oui. Post hoc, ago, procter hoc. Voilà. Après cela, à cause de ça. Et je préfère la version d'Étienne Klein. C'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'il a plus des grenouilles. Je la trouve vachement plus parlante. L'argument de la grenouille, voilà. Argumentum ad grenouille. Tout ça, ça m'amène à une question qui, moi, me brûle les lèvres. Vas-y, qu'est-ce qui te brûle les lèvres? Nous sommes à Noël, ou toute autre fête. Ah d'accord, c'était une hypothèse, mais on n'est pas du tout à Noël. Non, voilà. Okay. Alors parfois, je fais des figures de style, il faut s'imaginer, se projeter. Voilà. Nous sommes à Noël, tu es en famille. Putain, ça y est, maintenant j'ai Mariah Carey en tête. Mariah Carey grésille dans un petit poste radio là en arrière. Ok. Et tout le monde est à table. Donc j'éclate le poste radio pour commencer. Et ensuite, tout le monde est à table. Voilà, la dinde est servie, c'est magnifique, l'ambiance tient le coup. Ouais. Tout le monde serre les dents et se dit pourvu que ça dure. Et soudainement à table, il y a tonton Hubert, tonton Hubert, bien sûr, qui balance un gros truc à un de tes gamins. Mon gars, prends de l'homéopathie, tu vas voir, ça cartonne, arrête ton médicament de merde là, prends de l'homéopathie, ah, ça cartonne. Ça va encore là, c'est parce que le tonton, normalement quand tu, non, mais je... tu visualises ce truc là et que t'as un tonton Hubert, il peut dire des trucs... Non, on va pas partir sur cela. D'accord. on va rester dans la Z, hein. Ouais. Tonton Hubert, il a digéré son journal, tout va bien. Okay. Donc, il dit ça à ton gamin, et ton gamin, tu vois qu'il... Ouais, commence à être convaincu. Non. Comment ça se passe? Non, mais imaginons. Je te force. Non, mais là, tu me demandes d'imaginer un truc qui n'est pas possible. C'est-à-dire que mon gamin ne peut pas être convaincu par ça. Expérience de pensée. Imaginons, tonton Hubert, voilà, ton gamin, il y a un truc totalement pas prévu qui fait que l'argument passe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, j'ai dit non. Tu dis non comment? À table, là, devant tout le monde, qu'est-ce que tu choisis de faire? D'attendre, de lui rentrer dedans direct? Ça dépend de l'ambiance qu'il peut y avoir, ça dépend de à quel point je suis proche ou pas de tonton Hubert, ça dépend à quel point... Alors, c'est la famille, hein? C'est la famille, moi je suis pas dans le non-dit, moi je dis que tonton Hubert, c'est recettes de... C'est même pas des recettes de grand-mère, en gros, mais je lui dis que sa fiente de doit distiller 16 millions de fois, il peut la prendre autant qu'il veut, ça lui fera pas de mal, mais c'est bon, quoi, qu'il reste à sa bonne place, quoi. Et si tonton Hubert, il insiste et qu'il dit, voilà, le genre de personne qui n'a pas d'ouverture d'esprit, alors que ça marche sur moi, que ça marche sur mon bébé, hein, ça marche sur mon bébé. Ouais, et moi je refuse que ça marche sur moi. Non, mais moi, si tu veux, moi je peux y aller dans la mauvaise foi à fond. Je dis, mais qui t'a dit que moi je voulais que mon fils aille mieux? Ah oui, d'accord. Attends, qui t'a dit ça? Ah ouais, donc toi, moi, je veux qu'il prenne le médicament qui coûte cher, qu'il creuse le trou de la sécu, ce que ne fait pas l'homéopathie, hein. Non, bien sûr que non. Bien sûr. Si tu rapportes à la masse du principe actif, ça coûte pas si cher que ça, la sécu. Hein. Enfin, plus maintenant. Non, j'ai dit, mais moi je peux être totalement de mauvaise foi. Et en général, la discussion s'arrête très vite à ce moment-là. Ouais. Quand tu réponds, qui a dit que je voulais que mon fils aille mieux? Oui, c'est mort là. C'est bon, la discussion c'est terminé. C'est un peu le. Encore le un peu de pomme de terre. C'est un peu comme le célèbre. Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, mais qui t'a dit que la Lune existe? Oui. Alors moi, t'es dans cette méthode-là, toi. Alors moi, c'est pas qui t'a dit que la Lune existe, c'est... Oh putain, le mouton, il croit que la Lune existe. Oui, c'est ça.
t'en remets une couche avec bien oh la honte, quoi. Ouais. Efficace, inspirant. Après, il faut encore avoir l'inspiration, parce que ça, c'est, il faut sniper dans ces cas-là. Hein. Ouais. Faut être là, créatif. Là où ça peut être plus compliqué, tu vois, par exemple, c'est si à un moment donné, on est chez le pédiatre et que le pédiatre propose de l'homéopathie. Ça t'est arrivé t'as des histoires comme ça ou tu t'es retrouvé alors, un peu Moi, ça m'est pas arrivé, mais je connais des gens proches dans ma famille à qui c'est arrivé, mais qui, eux, ça leur posait pas de problème, l'homéopathie, ils étaient plutôt OK avec ça. Après, c'est, on parle de trucs, genre, c'est-à-dire que c'était pas pour soigner un truc grave, hein, c'était, je sais pas, genre, oui, des fois, il a mal au ventre quand il bouffe il suffit de prendre une gélule de machin, et puis il dormira mieux, et puis... Enfin, mais la situation où t'es chez quelqu'un chez qui t'es venu chercher un service de professionnel, que ce soit de la santé ou d'autres choses, et où tu te rends compte que le mec, en fait, il est complètement bullshité. Tu l'as déjà vécu celle-là où il commence à te balancer des trucs et tu te dis oh mais c'est de la merde ce que tu fais. J'ai déjà vécu ça avec un médecin qui a commencé à me vendre un truc pour arrêter de fumer qui était un mélange d'hypnose et d'acupuncture. Alors j'ai rien, je prétends pas savoir des choses sur l'hypnose ou sur l'acupuncture. Ce que je prétends en revanche, c'est que la personne que j'avais en face de moi ne faisait ni de l'hypnose, elle avait vu un tuto sans doute, tu vois, ni acupuncture. Et cela dit, l'acupuncture, j'ai essayé, parce qu'à un moment donné, si tu veux, quelqu'un me dit, écoute, moi j'ai arrêté de fumer, acupuncture, une séance, plus jamais envie de cigarette. Je me dis, Osef, qu'est-ce que je risque, quoi. Osef, on y va. Je suis arrivé dans un truc avec un vieux chinois qui faisait des pas, c'est-à-dire quand il marchait, il faisait des pas de 2 cm, donc il marchait, il faisait tout ça. Donc toute l'ambiance, ça sentait l'encens, tu vois, t'étais bien dans l'ambiance, et il m'allonge sur son truc. Il fait brûler ses aiguilles, il commence à m'en planter un peu partout. Bon, très bien, j'en fous. Il fait rester là quelques minutes, il y a de la musique, j'attends un quart d'heure comme ça. Et puis après, il les enlève, il me fait voilà. Je fais voilà quoi. Il me fait voilà, maintenant vous ne fumez plus. Je dis mais si j'ai envie, eh ben il faut pas fumer. C'est-à-dire que j'ai, par principe, c'est pas bien, hein, mais par principe, j'ai allumé la clope dans la cage d'escalier avant de sortir. Je voulais fumer avant de sortir de l'immeuble. Bah juste un mètre, tu vois, mais par principe, je me dis... Mais le mec, t'as rien dit. Tu l'as payé, t'es sorti, t'as respecté son truc. Non, bah le mec, j'ai payé. Il a fourni le service. Que voilà. T'es venu chercher. De toute façon, c'est pas, y a pas d'obligation de résultat pour ce genre de truc. Sans blague. Voilà. Il serait un peu dans la merde. Pourtant, mais... d'après Florent Martin, il y a une étude qui prouve que plus l'acupuncteur est asiatique, mieux ça marche. Bah alors, ça, pour le coup, je veux bien le croire qu'il y a un effet... Un effet contextuel. Ouais, et à mon avis, les petits pas, ça, si on a des acupuncteurs qui nous regardent, les petits pas, ça doit augmenter l'effet aussi. Bon, mais je me suis laissé dire, oui. Par toi-même, oui. Que malgré cela, malgré ta passion pour les sciences... Oh, malgré... Vas-y. Non, mais on va y aller en malgré. Mode... on va y aller en mode comme ça. Ça m'énerve déjà. Malgré cela, malgré ta passion pour les sciences et... ta connaissance des petits outils sceptiques, tu ne rejetais pas totalement l'idée d'un dieu. Ah, j'ai pas dit ça, j'ai dit que je croyais en Dieu. Tu croyais en Dieu. Ah ouais, c'est ça, c'est le mot de... Alors, texto, c'est la c'est phrase. C'est pas pareil. Hein. D'accord, ok. Eh ben, ça, c'est cool. Ça, c'est vachement cool. Alors, mais après, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là? Alors, juste d'abord, un truc, parce qu'on va beaucoup... Bon, je pense qu'on va un peu parler de ça. Je ne fais aucun prosélytisme de rien. Les gens croient en ce qu'ils veulent ou ils croient pas, je m'en cogne. Et j'ai même pas une arrière-pensée de « il croit pas en Dieu, c'est pas grave, il brûlera en enfer, tant pis pour lui ». Il n'y a rien, c'est juste. Mais maintenant, une fois que j'ai dit ça, et qu'on soit bien clair sur ce point-là, moi, c'est une question qui, moi, me brûle les lèvres, c'est comment est-ce qu'on peut s'intéresser aux sciences suffisamment longtemps sans finir par croire en Dieu? Très honnêtement, si c'est dans cette direction-là que je crois que tu vas aller... Je pense que c'est tout à fait légitime. Maintenant, mais on va voir. Maintenant, effectivement, il faut d'abord qu'on... Il faut définir les termes. C'est hyper important de définir qu'est-ce les termes. Qu'est-ce qu'on met derrière croire? C'est comme ça que je me suis pris la tête avec Irréductible Athée, c'est comme ça que je me suis pris la tête avec d'autres athées. Parce que vous savez, les athées à l'américaine sont arrivés en France. Déjà, on va exclure immédiatement l'idée d'un dieu barbu qui vit, d'un vieux barbu qui vit dans un nuage. Donc, voilà. La représentation... Voilà. Et d'une manière générale, on va complètement... Enfin, pour moi... L'idée même d'un dieu incarné en une personne, ça n'a aucun sens. J'ai aucun problème avec les catholiques, vous pouvez croire en ce que vous voulez, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Voilà. C'est pour moi, c'est... Voilà. Il n'y a pas de raison d'y croire, quoi.
Ah non, mais c'est j'ai même... T'as pas trouvé une bonne raison de dire... J'ai même plein de raisons de pas y croire. Et puis, ce qui se passe aussi, alors bon, on va rentrer un peu dans le détail, c'est-à-dire que si à un moment donné, tu te définis dans une histoire, on va dire, chrétienne, où tu crois, etc., c'est-à-dire qu'il y a eu la révélation, l'Ancien Testament, Jésus, le Nouveau Testament, plus tard, hein, etc., l'Ancien Testament, il te dit très clairement à un moment donné, c'est quand même parmi les 10 phrases les plus importantes de l'Ancien Testament, c'est tu n'auras aucune représentation de Dieu. Oui. Oui, c'est incroyable ça. Hein. Tu vois, moi, ce truc-là est, pour moi, est très problématique dès lors, mais encore une fois, c'est dès lors que je discute avec quelqu'un qui est croyant dans la religion. Voilà, moi pour l'instant, j'ai pas encore parlé de religion. On va séparer religion. C'est hyper important. Très très important. Parce que ce qui se passe, c'est que tu dis que tu crois en Dieu, les gens te disent, mais tu sais combien de gens ont été tués au nom de Dieu ? Non, c'est au nom de leur religion. Voilà. Je parle pas du tout de religion. C'est pour ça que je répète, moi je suis pas du tout dans le prosélytisme, dans ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est machin. Moi, si tu veux, sur l'idée de Dieu, la question, si je veux l'aborder, on va dire, de la façon la plus rationnelle possible, cette question, ce qui au bout d'un moment va être compliqué, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir un mur. Hein. Mm-hmm. Si on pouvait aller rationnellement jusqu'à Dieu, ça se saurait. J'avais vu une émission, justement, où ça parlait du principe de causalité. Et où, en gros, l'idée, c'était de dire qu'il peut très bien y avoir une cause non causée. On est en pleine cancel, là, il faut m'aider. En gros, si tu veux, l'idée d'un dieu, ça veut dire c'est qui a créé l'univers, pour le dire simplement. Le mystère de l'origine, quoi. Qui a créé l'univers, pour le dire simplement. Et ce que dit le principe de causalité tel que ces personnes en parlaient, c'était qu'il peut exister des causes incausées, en fait. L'univers peut avoir infiniment, c'est la taille, mais en tout cas, ne pas avoir d'origine, en fait, avoir toujours existé, même si aujourd'hui, on est quand même assez serein sur le fait que le Big Bang, même si on ne sait pas précisément ce qu'est le Big Bang, mais le Big Bang, on sait qu'il a eu lieu puisqu'on peut en voir l'onde de choc, en gros. Mmh. Et donc, cette histoire de principe de causalité, moi, m'avait toujours posé problème parce qu'on parlait de cause incausée. Et je pense que une des erreurs de ce truc-là, c'est de mal comprendre le principe de causalité. Alors déjà, juste un truc. Donc, le principe de causalité, c'est un des fondements, c'est sans doute un des trucs les plus importants de la physique. Et ce qu'on appelle un principe, en gros, en science, c'est quelque chose qui manifestement est tout le temps vrai, qui manifestement est une loi, mais qu'on ne sait pas démontrer ou qu'on n'a jamais pu démontrer, mais qui n'a jamais été pris en défaut. Donc c'est un genre d'axiome de la physique. Et ce principe de causalité, en fait, il dit deux choses simples. Il dit que l'effet d'une cause ne peut pas précéder la cause, et que par conséquent, l'effet d'une cause ne peut pas rétroagir sur la cause. Il n'y a pas... Et il y a des gens qui l'ont traduit sous l'idée que tout ce qui arrive dans l'univers est causé par quelque chose, qui lui-même est causé par quelque chose, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Tout n'est pas l'effet d'une cause. Ça, c'est un truc qu'on a découvert avec la physique quantique, en tout cas dans l'état de nos connaissances actuelles, au niveau du vide quantique, il y a en permanence des paires de particules antiparticules qui apparaissent, qui s'annihilent. Ouais. Voilà. Et on a globalement réussi à démontrer que ces apparitions sont aléatoires. Du vrai aléatoire. Du vrai hasard. Ouais. Et alors, sauf encore une fois, à ce que quelqu'un demain se dise « Non, finalement, on avait oublié un paramètre, en fait, c'est pas du tout aléatoire, ça répond à telle loi de diffusion, j'en sais rien. » Mais si c'est réellement de l'aléatoire, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas causé. Il n'y a pas de cause. Il y a des lois qui font que ce truc-là va se produire, mais il n'y a pas de cause pour que cette particule apparaisse à cet endroit, à ce moment donné. Ça, c'est aléatoire. Donc, il existe des causes qui n'ont pas deux causes. Donc, il n'y a pas la notion d'une cause est toujours produite par une autre cause. Non, c'est un effet qui est produit par une cause. C'est hypothétique. Hein. Retenez bien, ça reste hypothétique. Oui, oui. Même si c'est ce qu'on observe
et par parcimonie, c'est ce qu'on devrait, c'est ce qu'il vaut mieux penser. Et c'est ce que les, sur l'histoire donc de l'apparition et de la disparition des particules et antiparticules, c'est quelque chose qui est qui aujourd'hui fait partie du modèle, bah, du modèle standard en gros, hein, des sciences, donc notamment de la mécanique quantique qui n'a jamais été à ce jour mise en défaut. C'est même la plus précise de toutes les sciences. Mais avec, une précision qui est débile. Genre, enfin, là, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est des trucs avec 17 chiffres après la virgule. C'est des trucs qui n'ont aucun sens. Et c'est ultra précis et ça a toujours été validé dans les limites de son cadre. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on commence à parler de trou noir de Big Bang, oui, ça ne fonctionne pas. Mais là, on sait qu'on ne sait pas. Ouais. On sait dire, attention, là, ça ne marche pas. Mm-hmm. Voilà. Mais dans le cadre où on dit c'est censé marcher, ça a toujours marché. Donc, effectivement. La question moi, que je me pose, c'est est-ce que l'univers peut ne pas avoir de cause première ? C'est-à-dire que, mettons, c'est-à-dire que le Big Bang, si on fait alors pour le coup, c'est vraiment un jeu de l'esprit, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le Big Bang. On sait globalement expliquer l'univers à partir de, je sais plus, je crois que c'est 10 puissance moins 43 secondes après un prétendu Big Bang. En calcul, donc on n'est plus en observationnel. Donc si on est en milliardième de milliardième de milliardième de millionième de nanoseconde, un truc comme ça, mais on ne sait pas dire ce qu'il y a avant. Parce que toutes les variables tendent vers l'infini, ça part en cacahuète. Alors, les variables avec nos équations, c'est-à-dire nos équations, on arrive à des trucs où il y a des divisions par zéro, enfin voilà. Ouais. C'est, on sait qu'on n'a pas encore l'équation pour ce truc-là. On ne sait pas si on aura un jour l'équation, mais on sait qu'on n'a pas l'équation en tout cas. Mais on voit le truc devenant de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit. Donc, on se dit, voilà. Vraisemblablement, à un moment donné, le truc, il était, voilà, c'était un point. C'est pas déconne. Voilà. Alors, peut-être qu'après, ça fait un truc complètement... Oui, c'est autopromo pour mes vidéos sur le Big Bang, hein, j'en parle. Voilà. Il va mettre les trois liens. Non, il va mettre le lien de la première dans la description. Voilà. Bim, c'est fait. Voilà. Et juste en dessous, il y a marqué, et bim, c'est fait. On va pas aller plus loin dans cette vanne, sinon ça va commencer à me prendre un demi-agenda. Et donc, moi, la question que je pose, c'est est-ce que l'univers peut ne pas avoir été causé ? Si l'univers a toujours existé, ce qui est envisageable, il peut ne pas avoir été causé. Moi, ma conviction, c'est que l'univers a été causé. Maintenant qu'on soit clair, c'est-à-dire que cette cause, moi, je l'appelle Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque part une entité consciente qui s'énerve si je me lave pas les mains avant de manger. On est bien sur deux choses distinctes. C'est-à-dire que moi, par exemple, la notion d'un dieu démiurge ne m'intéresse pas plus que ça. C'est peut-être le cas, c'est sans doute pas le cas, je pense. Mais le dieu qui vraiment contrôle tout ce qui se passe et qui dit « Attention, celui-là, on va le faire saigner du nez, il va comprendre. » Enfin, non. Il n'y a pas trop de signes de ça, mais même plutôt des signes de pas ça. Non, mais voilà. Après bon, là, on est sur des signes, c'est-à-dire que les gens croient ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent. Bien sûr. Quand on est un petit peu rigoureux avec les signes, en tout cas ça c'est mon expérience à moi, on se rend plutôt compte que c'est nous qui les voyons et pas eux qui existent. Mais bon, après on ne sait pas. Moi, je ne veux pas non plus mettre un point final à tous ces trucs-là. Ça, si tu veux, c'est la même question de quelqu'un qui a un cancer, qui prie, et puis il fait sa chimiothérapie, sa radiothérapie, il est soigné, il dit la prière a marché. C'est ça. Moi je veux bien, tu vois, c'est peut-être. Peut-être que la prière a aidé. Pourquoi pas ? J'en sais rien. À titre perso, j'y crois pas plus que ça. Or, effet éventuellement placebo, effet de... Enfin, les trucs psychologiques qui peuvent avoir un effet. Je crois pas que la prière en elle-même ait eu un effet. Mais, moi, si la personne se lui fait du bien, très bien, je m'en fous. Tu vois. Bon, il y a un truc qui va pas dans tout ça. Dis-moi. C'est que, qu'est-ce que tu fais de l'hypothèse d'Everett ? L'hypothèse d'Everett. L'hypothèse d'Everett, c'est l'hypothèse qui... Alors moi, je suis d'avis qu'elle est pas très parcimonieuse. Elle est peut-être même moins parcimonieuse que Dieu, je ne sais pas. Ouais. L'hypothèse d'Everett, c'est pour expliquer les hasards quantiques, parce que des hasards quantiques, il y en a aussi quand la particule se met dans un état, quand la particule choisit A ou B, le spin, la vitesse, la position. Des hasards quantiques sont partout, et ce sont de vrais hasards. Et il y a une hypothèse qui permet d'expliquer tout ça, c'est l'hypothèse d'Everett, c'est celle qu'on retrouve dans Le Monde Quantique, la super BD que je vous recommande, Le Monde Quantique. Ah oui, je l'ai. Absolument génial, où ils font même avec le bleu et le rouge à un moment pour faire les trucs. C'est que ta particule, elle aurait pu apparaître n'importe où dans ce champ-là, elle est apparue là parce que tu es dans l'univers où elle est apparue là. Ouais. Et donc il existe une infinité d'univers où la particule est apparue ailleurs, et il y a une infinité, multiplicité, etc. etc. C'est ça. Oui, ça, c'était, moi, j'en avais parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, truc-là, j'avais dit, c'est un peu comme s'étonner de la coïncidence, tu te rends compte que mon grand-père est de ma famille.
Attends, faut que tu me le déroules là. Non mais tu vois, je veux dire, c'est quand même une drôle de coïncidence que mes deux grands-pères, qui quand ils étaient enfants, ils se connaissaient même pas. Ouais. Ben je suis de la même famille des deux. Mais c'est pas du tout une coïncidence en fait. Tu es là parce que tu es de. Mm-hmm. Donc il y a un peu ce côté-là qui est de dire effectivement tu tires à pile ou face, c'est tombé sur face. Pourquoi c'est pas tombé sur pile? Bah, dans un autre univers, c'est tombé sur pile. Mm-hmm. Et tu te demanderais la question, pourquoi c'est tombé sur pile, pourquoi c'est pas tombé sur face? C'est possible. Et en quoi ça remet en cause l'idée d'un dieu? Ça remet pas en cause l'idée d'un dieu, mais ça remet en... Ça, c'est une alternative, si tu veux, c'est une alternative... Il y en a qui disent qu'elle est non coûteuse, enfin, c'est un débat évidemment. Non coûteux, c'est-à-dire que c'est pour chaque. C'est pour assez monstrueux. Pour ouais. Chaque état quantique de chaque particule dans l'univers, il y a un univers entier. C'est exponentiel, hein, parce que. C'est putain d'exponentiel, et à chaque instant, alors que les instants n'ont pas été quantifiés. C'est pas coûteux. Ouais. Et donc, moi je suis assez d'accord avec toi, hein. C'est pour ça que ça m'intéresse, c'est qu'on se retrouve à devoir choisir un peu entre ces deux trucs-là pour expliquer hasard quantique. Après, c'est aussi le problème de l'infini, c'est-à-dire que l'infini, c'est quelque chose qu'on a du mal à quantifier, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que dans une infinité d'univers, c'est effectivement pas coûteux. Mais bon. Et coûteux, c'est une appréciation humaine en fait. C'est aussi. Ça. L'univers est Saras grand. Oui. Il est déjà très coûteux en lui-même. Non, l'univers observable. Observable, Saras grand. Et enfin, bon, voilà, c'est juste inimaginable, même pas approchable. Non. Mais tu sais quoi, juste notre galaxie, c'est pas approchable. Juste la distance jusque Mars, elle l'est pas. L'amas local, il est pas. Il y a rien. J'ai même la Lune, les gens captent pas, tu leur montres la... En fait, je pense que tu dis à quelqu'un, voilà, grosso modo, il faut un voyage, je veux dire n'importe quoi, il y a Astronomie qui est à côté, il va hurler. Hein. Je veux dire, grosso modo, il faut une semaine pour aller sur la Lune, c'est à peu près ça. Voilà, il faut une semaine pour... Mettons qu'on sache comment faire, il faut une semaine pour aller sur la Lune, il faut, dans le meilleur des cas, 2 mois pour aller sur Mars. La Lune, il faut une semaine pour y aller avec un vaisseau Apollo, elle est à 1 seconde-lumière. Ouais. L'étoile la plus proche, elle est à 4 années-lumière, donc tu prends 4 ans, tu prends 1 seconde. Voilà. Et Mars, il faut 6 mois pour y aller, t'attends 1 mois sur place, 1 an sur place, et 6 mois à retour. Voilà, c'est 6 mois en fait. Et donc moi, ce que je disais, c'est voilà, il faut une semaine pour aller sur la Lune, 6 mois pour aller sur Mars. Les gens n'ont pas la notion de ce qu'il faut pour sortir du système solaire, pour sortir du nuage de Oort. Là, on est... Il affiche ici le temps qu'il faut. Non, non, non. L'enfoiré. Enfin bref, mais ça se compte sans doute en dizaines d'années, je pense. Non. Nuage de Oort, mais même en centaines. Il faut peut-être. 10 ans pour aller jusqu'à Jupiter déjà. Ah bah putain, c'est en centaines d'années en fait. C'est en centaines ou en milliers peut-être. Enfin bref, c'est énorme. Mais donc on n'a effectivement pas la notion de ces tailles-là. De la même manière qu'on n'a absolument pas la notion d'infiniment petit. Mais alors c'est quoi quand tu dis je crois en Dieu? C'est une espèce de provocation finalement. C'est pas. Parce que ce que tu appelles Dieu est tellement éloigné de ce que tout le monde appelle Dieu. Ah. C'est pour provoquer une conversation. Attention. Alors. Moi, j'essaye de trouver, hein, c'est-à-dire que s'il y a une différence entre le Dieu dont je vais te parler et le Dieu auquel je crois. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, parce que ce qui se passe, c'est que quand un mec dans ma position dit « je crois en Dieu », on me dit « tu n'as aucune raison de croire en Dieu, tu n'as aucune raison raisonnable de croire en Dieu ». On n'a pas défini le mot « croire ». C'est vrai. Dans ta phrase. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on dit « qu'est-ce qui te pousse à aller plutôt vers l'idée d'un Dieu plutôt que vers l'idée de pas un Dieu ?» Mmh. Et moi, je réponds l'origine de l'univers, comme exemple. Une cause primaire qui a déclenché tout, voilà. Après, il y a ce que moi, je crois, et là, pour le coup, je dis, ça ne repose sur rien qui sera acceptable pour un sceptique qui essaierait de rester... Même qui essaierait vraiment d'être ouvert d'esprit en disant peut-être que je vais sortir de cette discussion en croyant en Dieu. Mais tu sais, moi, ça m'intéresse parce que ça montre qu'on peut avoir un esprit scientifique et librement, quand même, aller dans l'exploration de la croyance, etc. Bon, je rappelle déjà que jusqu'à peu près 1800 et quelques, la plupart des grands scientifiques européens qui ont fait des grandes découvertes étaient plus ou moins aussi théologiens, moines, enfin des trucs comme ça. Il y a quand même également beaucoup de scientifiques modernes, contemporains, pour qui la question de Dieu est une vraie question. Ouais. Et en revanche, c'est vrai que comme ce sont des scientifiques, ils ne tranchent pas cette question. Bien sûr. Je te dis pas, mais... grâce à Dieu, j'ai pu démontrer... non, bien sûr que non. Mais
ça reste une vraie question. Maintenant, moi, c'est un truc, une fois, j'avais eu un débat avec quelqu'un, on va dire un sceptique. Je ne sais plus exactement quelle était son église. Ça, c'est bon. Non, ouais. Parce que si on veut parler des religions sceptiques, on peut aussi. Hein. On peut tout à fait aussi. Ouais. Mais parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un dieu pour être dans une religion. Hein. Il suffit. Bah, le scepticisme est bourré de dogmes. C'est infernal. Mon livre est consacré à ça, quasiment. Et il existe des religions sans dogmes. Hein. Des religions avec un dieu et sans dogme. Hein. Mais on va pas lancer ce débat maintenant. Voilà, mais je discutais avec un sceptique qui me disait, mais non. Et en gros, lui, il disait, mais non, Dieu ne peut pas exister. Et on discute. Et après, on en est venu à parler, je sais plus par quel biais, de ce philosophe qui avait... J'ai jamais été convaincu, donc je vais dire prétendument démontré, qu'il était plus probable qu'on vive dans une simulation informatique à la Matrix, oui, je me souviens, plutôt qu'une réalité. Je sais plus comment il s'appelait, ce gars-là. Mmh. Voilà. Et donc, le gars, il me dit, il est vraisemblable qu'on vive dans une simulation informatique. Et je dis, écrite par qui ? Ben c'est ça, c'est toujours ça. S'il est possible, ouais. C'est simple, s'il est possible qu'on vive dans une simulation informatique, alors il est possible qu'il y ait un dieu. Et c'est pas... Et du coup, c'est pas plus con... Encore une fois, je comprends cette idée de dire, moi, je ne crois pas qu'il y ait un dieu, dans la mesure où j'ai aucune raison de croire qu'il y a un dieu. Moi, je vois des raisons de croire qu'il y a un dieu. Ces raisons, il y en a qui sont un peu rationnelles, il y en a qui le sont moins. Mais... Qu'est-ce que tu aurais comme... C'est quoi la... Imaginons que tu veuilles me convaincre. Je sais que c'est pas ta démarche, mais... On n'aura pas le temps si je veux te convaincre. Imaginons que tu veuilles me convaincre. Ouais. Qu'est-ce que tu choisirais en premier comme argument ? Ou comme sujet, pour me séduire. Si je voulais te convaincre, ce serait compliqué. Parce que ce qui se passe, c'est que les raisons qui, moi, m'ont poussé à plutôt croire en Dieu, ces raisons-là sont liées à une religion. Elles ne sont pas d'ordre religieux, mais elles sont liées à une religion. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon éducation dans une école juive à Strasbourg, donc du CP à la terminale. On s'en fout, mais ce qui est important là-dedans, c'est que du coup, j'ai appris à lire, à écrire, à parler l'hébreu, l'araméen, et à lire les textes dans leur langue originelle. Donc, c'est-à-dire que moi, ça partirait... Moi, j'ai trouvé des choses, j'ai lu des choses, et j'ai compris des choses dans ces textes qui, à titre perso, me font me dire « ça peut pas être que rien ». Ça peut pas être qu'un assemblage de textes apocryphes qui ont été réunis, machin, ça. Il y a des choses... Je vais pas partir dans des trucs stupides du style code de la Bible. Mm-hmm. Tu sais, où tu prends une lettre sur trois... Tu fais une très bonne vidéo sur le sujet, ouais. Vous pouvez la voir là. Il y aurait des choses à dire là-dessus aussi. Parce que ce qui se passe, c'est que les comparaisons qui ont été faites avec des textes, par exemple, en russe, ou en allemand, ou en français, ou en anglais, etc., sont pas comparables. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est que l'hébreu est une langue qui va permettre beaucoup plus facilement de trouver des choses, puisqu'il y a que, en gros, c'est un alphabet de 22 consonnes. Mm-hmm. Les voyelles sont écrites par ailleurs. Et donc, les mots sont pas séparés, il n'y a pas d'espace. Et la base d'un mot, c'est trois lettres. Donc, en gros, si tu prends une lettre, t'as 8 chances sur 10 que ce soit un mot qui existe. Oui, déjà. C'est ça. Tu vois, donc c'est assez... C'est complexe à évaluer. Voilà, c'est de toute façon très compliqué, mais pour moi, c'est un peu comme Nostradamus, c'est-à-dire qu'effectivement, on retrouve des trucs, on retrouve des trucs qui sont déjà arrivés. Donc moi, tant que le mec me montre pas un truc qui s'est pas encore produit, et de façon claire, pas de façon, bah écoute, on annonce un truc climatique l'année prochaine. Il a plu, il y a eu un ouragan, enfin je veux dire, on s'en fout. Si tu me dis pas un truc sérieux, j'ai aucune raison de te croire. Mais si je voulais te convaincre, ce qui vraiment, c'est encore... Ah mais je te mets en difficulté. Oui, non mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, l'éducation que j'ai eue du point de vue, encore une fois, liée à la religion, pas religieuse, j'ai pas eu d'éducation religieuse à proprement parler, mais l'éducation liée à la religion que j'ai eue, c'est la base même, c'est de pas chercher à convaincre. C'est le judaïsme, alors il y en a qui le font, hein, mais globalement le judaïsme c'est une religion qui n'est pas prosélyte, ce qui d'ailleurs a suscité énormément d'antisémitisme parce que ça crée pendant très longtemps un côté club fermé, non t'es pas juif, tu peux pas rentrer, voilà. Alors que pour les autres religions, parce que ce qui se passe, c'est que t'as envie de dire, mais je comprends pas, si vous avez la bonne religion, si vous êtes convaincu d'avoir la bonne religion, pourquoi vous voulez pas qu'on en soit ? Ouais. On n'a pas le temps pour ça, franchement. On n'a pas le temps. Ouais, non. Non, on va repartir pendant des heures. Je vais quand même me situer viteuf, parce que tout le monde ne le sait pas. Moi, j'ai grandi chez les Témoins de Jéhovah, j'ai dû résoudre cette question. C'est la fameuse croix des Témoins de Jéhovah. C'est la fameuse croix des... La croix directionnelle des Témoins de Jéhovah. Oui, n'est-ce pas ? Et Non, ça ne mérite pas ce rire. J'aime beaucoup, d'ailleurs. J'aime beaucoup. Et j'ai dû résoudre
J'ai dû résoudre cette énigme vers mes 20 ans en lisant en simultané la Chouraki, qui est la littérale, et la Martin, qui me semblait être la plus neutre parmi les religieux, les versions des différentes religions. Donc je ne suis pas totalement noob en la question, hein, je vois un petit peu ce qu'il y a dans les textes, et aussi la grande, grande liberté d'interprétation. Moi, je vais te donner une idée, c'est moi, j'ai fait 6 mois d'études avec un groupe d'amis sur pourquoi la première lettre de l'Ancien Testament, c'est un bête. Je vois. C'est un grand sujet de théologie, ça. Hein. C'est... 6 mois. Oh, et attention, et c'est pas au bout de 6 mois, on s'est dit, c'est bon, ouais. On a fait le tour, maintenant on a compris. Il me semble qu'il y en a qui disent même que c'est un peu fractal. C'est la première lettre, le premier verset, le premier chapitre et le premier livre qui, en fait, sont... Après, il y a tout... Après, si tu veux, c'est le problème, c'est que quand un truc a 1000 niveaux de lecture... Ça veut dire que globalement, tu sais que tu peux lui faire dire absolument n'importe quoi. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut jamais... moi, si tu veux, c'est les mecs qui me disent, regarde, le premier verset, c'est 28 lettres, 7 mots. Donc, c'est les 7 jours de la semaine, les 28 jours du mois lunaire. Super. Voilà, écoute, bravo. Et ça dit quoi? J'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Voilà, mais... Si tu veux, donc, tu peux noter des choses comme ça. C'est marrant, c'est un truc que j'avais fait dans ma vidéo sur Inception. Ouais, s'il te plaît. Dans la vidéo sur Inception, j'avais dit, ouais, si vous prenez... j'avais dit ça me gonfle, mais je vais le dire parce que sinon ça va arriver dans les commentaires. Si vous prenez la première lettre de chaque personnage, ça fait le mot Dreams. Mm-hmm. Et voilà, mais c'est un easter egg, on s'en fout. Donc ça, c'est, pour moi, c'est des easter eggs. Bien sûr. Peut-être que ce n'en sont pas, mais pour moi, c'est des easter eggs. A priori, elle est truffée d'easter eggs, la Bible, ça c'est clair. Et après, ce qui se passe, c'est qu'elle est truffée aussi de trucs qui sont rien du tout et que quand tu les regardes comme ça, ça ressemble à un œuf. Il y a aussi beaucoup ça, tu vois, donc C'est délicat. C'est pour ça que moi, j'aime pas me prononcer, j'aime pas pousser les gens dans une direction ou dans une autre. Mais donc, toi, tu es plutôt sur ta propre conception de Dieu, ce qui est absolument pas critiquable. Qui ressemble énormément quand même à la conception de Dieu chez les Juifs, hein. Globalement. Ah ouais? Oui, bon, globalement, ça ressemble quand même. C'est métaphysique comme ça, la conception chez les Juifs? Je connais pas très bien, en fait. Après, si tu veux, en gros, alors... Putain, on va partir dans des trucs. Au XIIIe siècle, ou au XIIe siècle, je sais plus si c'est le XIIe ou XIIIe. Putain, si ça se trouve, c'est 1300 et quel, c'est 14e. Enfin bref, entre le XIIe et le XIVe siècle, il y a eu globalement deux courants de pensée. Il y a celle qui s'appuyait sur Aristote. Ça y est, merde! Il a contaminé ma chaîne. Non, mais celle qui était... En fait, c'est une qui est d'un philosophe, donc d'un juif qui s'appelait Maïmonide. J'étais au congrès, ils ont un portrait de Maïmonide dans la grande salle du congrès, je sais pas pourquoi, mais avec à côté Socrate, à côté machin, donc tu vois, c'est apparemment c'est un penseur important dans la philosophie, et en parallèle de ça, t'en avais un autre qui s'appelait Ramban. Alors je précise sur Ramban, parce que Maïmonide, nous on l'appelle Rambam, parce qu'en fait c'est des acronymes. C'est le Rambam, ça veut dire Rabbi, je sais pas quoi, enfin bref, c'est un acronyme, et c'est juste la dernière lettre qui changeait. Et Ramban, en fait, quand tu lis la Genèse, quand tu lis ses commentaires de la Genèse, alors je précise, ce gars n'est pas un scientifique, ce gars ne justifie rien, il ne met pas de source ni rien. Non mais, je précise, parce que quand tu lis ce truc-là, qui date à peu près du XIIIe siècle, le mec décrit le Big Bang. D'accord. Il décrit littéralement, et c'est pas interprétable. Il décrit l'univers comme étant un point qui s'est mis à enfler très très vite en une soupe de matière qui était indistincte et qui a fini par se distinguer... en laissant passer la lumière. Ah oui, c'est trop bien, ça. T'as envie de dire... Joli. Oh. Tu vois, alors... Après, on peut aussi dire, mais puisqu'il y a des milliards d'humains qui ont lancé des hypothèses, il fallait bien qu'il y en ait un qui tombe à peu près juste. Enfin, je suis sceptique en merdant, mais... Ah non, mais moi, c'est pour ça que je commence par te dire, le mec n'est pas scientifique, le mec, il a juste lu ça dans le texte, mais si le mec, trouve, il a interprété ce qu'il voulait, etc. Ce que je note, c'est que Maïmonide et Ramban, ce sont à peu près les deux seuls gros commentateurs qui restent aujourd'hui. Qui ont traversé les siècles. D'accord. Avec Rashi, c'est encore autre chose. Mais, je veux dire, c'est que ces deux courants de pensée existent. Ces trucs-là m'intriguent. Je ne crois pas. Je crois pas que le mec, il a lu dans le texte, il dit, oui, bon, ça va, inflation cosmique, d'accord, pas de problème. Ensuite, apparition des quarks. Non, voilà. Mais, je me dis que... Et puis, ce qui se passe, par contre, en revanche, c'est qu'il explique d'où ça sort dans le texte. Il dit pas ça comme ça. Il dit, ce mot-là... En fait, il veut dire aussi ça, et ça signifie que l'univers a enflé. Ce mot-là, il veut dire que c'était mélangé, etc. Donc tu vois, il a son explication, mais qui est totalement une interprétation, qui, c'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, c'est même pas que ça vaut rien, c'est que c'est
contre-productif, parce que tu dis, ah et putain, c'est ça tes justifications, bah, putain, j'ai confiance. Mais, si tu veux... Il match tellement que c'est troublant, quoi. Et c'est pas le fait qu'il match tellement, c'est le fait, en fait, de me dire que si, en partant de ça, il arrive à imaginer ces possibilités, dont il s'avère que celles-ci sont vraies, elles auraient pu être fausses, je pense que si elles avaient été fausses, j'aurais été moins convaincu, mais j'aurais pu quand même être convaincu, par le fait que je me dis, il y a quand même de l'interprétation possible, il y a quand même énormément de richesse à creuser dans le texte. Tu vois, il y a le côté, si tu veux, c'est par exemple les gens qui me disent, ouais, mais les gens, ils croient, les religieux, ils croient que la Terre a 6000 ans. Je dis, non. Non. En tout cas, moi, je connais pas quelqu'un d'un peu sensé qui croit que la Terre a 6000 ans. Ouais, il y en a peut-être aux États-Unis, les non, créationnistes, ça existe. Les trucs, les ça machins. Existe. Une fois, j'avais discuté avec un créationniste. Putain, je l'avais éclaté. parce que du coup, moi, parce que le mec, il commence à me parler de la Genèse, et puis j'ai fini par lui dire, donc on est d'accord, la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était tohu bohu, le souffle divin planait sur la surface des ténèbres. Dîn, Faror, Nehru arrive et... Non, pardon, je me comprends. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, il dit que la lumière était bonne, il dit que la lumière, lumière, l'obscurité, obscurité, il y a eu un soir, il y a eu un matin, jour 1. Ok. Ensuite, il se passe d'autres trucs, il y a eu un soir, il y a eu un matin, jour 2. Ok. Il y a un soir, un matin, jour 3. On est d'accord que ce qui cale les jours, c'est le soir et le matin. Ok. Mm-hmm. Le soleil a été créé le quatrième jour. Donc... Tes trois premiers jours, ils ont duré combien d'heures? Elle est jolie, elle est très jolie. Est-ce qu'ils ont pu durer 25 heures? Ouais. Est-ce qu'ils ont pu durer 2 millions d'années? Ouais. Est-ce qu'ils ont pu durer... Tu vois, je veux dire, tu peux pas lire littéralement... Il y a eu un mouvement de, parmi les juifs, mais il y a différents courants, tu vois, au cours des siècles, comme dans toutes les religions, tu vois. Mais il y a eu un courant... je crois que c'était pendant le Moyen-Âge, mais alors je sais vraiment plus quand, il me semble que ça s'appelait les minimes, et c'est les mecs, ils étaient sur du littéral, purement littéral. Ça veut dire quand Dieu il dit tu ne dois pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère, si c'est le lait mais pas de sa mère, c'est bon. Tu vois, c'était genre... voilà, carré, c'est quoi. Ultra littéral. Tu peux pas lire un texte comme ça de façon littérale, ça n'a aucun sens. Oui, enfin oui, quoi, parce que tu... Mais cela dit, si tu veux, c'est... Dedans, il y a à un moment donné un truc où, je sais plus, je crois que c'est Josué qui fait une bataille contre je sais pas qui, et il est sur le point de gagner, mais la nuit tombe, et il a prié pour arrêter la course du soleil, pour que ça puisse durer encore un peu, et puis pour gagner, et les gens ont conclu du fait qu'il a arrêté la course du soleil, que c'était la preuve que le soleil tournait autour de la Terre. Tu vois, genre, tu peux faire dire n'importe quoi, n'importe comment, c'est pour ça que moi, je suis pour le fait qu'on creuse les textes, et que voilà, mais imaginez que t'es plus trouvé un truc qui colle à peu près, tu te dis « c'est bon, j'ai ». C'est là où on commence à rentrer dans la religion que j'aime pas. Je vais te dire un truc, alors ça, c'est un peu hors sujet, mais c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'a fait délirer. Donc, pour les catholiques, Marie était vierge. Oui. Voilà. Je crois que chez les protestants, c'est pas une nécessité. Quoi, non? C'est Marie est une immaculée conception, c'est-à-dire que c'est Marie qui a été conçue sans péché, mais Marie, elle n'est pas vierge, en fait. Oh putain, alors j'ai jamais entendu ça. What? C'est Sébastien, le voisin, qui m'a expliqué ça la dernière fois. C'est pour ça qu'on l'appelle l'immaculée conception. C'est parce que c'est elle qui a été conçue sans péché. Alors, étonnamment, ça ne va pas changer grand-chose à ce que je veux dire. D'accord. Tu vois. Donc, que Marie ait été vierge ou qu'elle soit l'immaculée conception, de quand ça date? C'est un dogme, c'est un dogme de l'Église. Hein. De quand ça date? Alors c'est censé dater du moment où elle a enfanté. Bien sûr, mais à partir de quand est-ce que c'est devenu un dogme de l'Église? Dire maintenant ça y est, c'est fait. On a bien réfléchi entre nous, on a lu les textes. Je sais pas comment ils ont conclu. Ouais, j'ai dit maintenant c'est bon. Le fameux Constantinople en 300 machin. 1850 et quelques. 1850. Mais je crois 1852 il me semble et 7 ou 8 ans plus tard, c'est une bulle papale, et 7 ou 8 ans plus tard, il y a une autre bulle papale qui est dite de l'infaillibilité pontificale, qui est de dire que le pape ne se trompe jamais. Boum. Est-ce que tu imagines le concept de faire un... C'est-à-dire que, n'empêche, il faut avoir drôlement de la foi ah oui. pour, dans ta propre religion, qui est basée sur des dogmes, dire maintenant il y a un nouveau dogme, c'est que jamais je me trompe. Parce que ça veut dire que s'il se trompe une fois... Tout est faux. Tout peut s'effondrer. Eh oui. T'imagines un peu le genre... Ah mais je crois qu'ils n'allaient pas jusque-là, hein. Franchement, à mon avis... Il y a beaucoup des questions de contrôle des populations avec les croyances, etc. Mais c'est-à-dire qu'avant 1850, tu pouvais douter de ça. Tu pouvais douter d'accord. de la virginité ou donc de l'Immaculée Conception de Marie sans que ce soit nécessairement un sujet à t'excommunier. D'accord.
Alors que moi, spontanément, j'ai toujours pensé que ça datait ouais, de l'an 300 ou 400, enfin par là, quoi, tu vois. C'est, bah oui, c'est, le... c'est un truc. Moment de la constitution de la Bible. Ou éventuellement au moment de l'apparition des protestants. Oui, par exemple. Dire, voilà, bon, c'est à ce moment-là, il y a eu le schisme. Ils sont voilà. Voilà, nous, on est d'accord avec ça, pas toi. Et en fait, non, donc c'était pas tout à fait lié à ce qu'on disait, mais c'est pour dire, si tu veux, que le. Tu peux. Moi, je suis pour le fait qu'on creuse les textes, qu'on en tire ce qu'on veut, mais il ne faut pas en tirer de garantie, en fait, de bien sûr. Sûr, de certitude. Voilà, ouais. C'est le mot que je cherchais. Je suis déjà pour qu'on arrête de prendre tous ceux qui s'y intéressent pour des débiles. Mmh. Ça, ce serait ça, pas ça, mal. Putain, mais le mépris envers les croyants. Voilà, le mépris, alors, ça, il faudrait arrêter. Si je peux juste dire un truc. Arrêtez de parler de Dieu comme d'un ami imaginaire. C'est ultra gonflant. Ouais, vous allez demander à votre ami imaginaire de faire. C'est ultra gonflant. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne enfin, fait ça, que si vous, c'est pour énerver, ça marche. Ça ne fait que vous redorez l'ego, et ceux qui sont d'accord avec vous se disent « Ah, comme il l'a bien mouché !» Sauf que le mouché en question, ben non, il n'est pas mouché du tout. Donc c'est un peu, voilà, c'est des discours de sourds, ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est juste méprisant, en fait. Mais alors du coup, moi j'ai vraiment une question à te poser. Imaginons un univers parallèle dans lequel il y a un autre Bruce, mais il ne croit pas en Dieu. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de différent? Pas grand-chose. Éventuellement... Ce qu'il aura peut-être de différent, c'est de se dire que ça ne s'arrête pas au moment où on meurt. C'est-à-dire que tu lis l'idée d'un Dieu possible avec... Ouais, alors, et encore une fois, là, c'est, quand je disais que Dieu pouvait exister parce qu'il peut exister une cause première, c'est pas à ça que je relis. Quand je dis, moi, c'est dans l'idée, dans la croyance que moi j'ai en Dieu, dans la conception que moi je me fais de Dieu, il y a une idée... peut-être pas nécessairement de but, mais en tout cas de chemin. Mmh. Et qui ne s'arrête pas nécessairement au moment où tu meurs. Voilà. Ne serait-ce que simplement, je vais dire un truc tout con, c'est que, si tu veux, quand tu meurs, absolument toutes les particules de ton corps qui ont de l'énergie ne disparaissent pas, elles vont ailleurs. Mmh. Ça ne dit absolument pas ce qu'il advient de ta conscience, si tant est qu'il existe une telle chose hors de ton cerveau. C'est ça. Qu'est-ce que la conscience? C'est encore une question. On va dire l'âme. J'aime pas trop parce que âme, ça fait tout de suite mec qui va parler de je sais pas quoi. À titre personnel, je suis très fan par exemple des conférences de Stanislas Dehaene, tu vois, qui fait des trucs sur la conscience, etc. Mm. Et tout ce qu'il cherche et tout ce qu'il explique ne résout pas le. Qu'est-ce qui est l'aiguille sur le disque? Qu'est-ce qui est l'expérimentateur? Ouais. Ça, ce n'est pas défini. Mm. Et c'est pas de ça qu'il parle en plus. Donc voilà. Voilà, donc moi, c'est ça qui changerait sans doute, hein, avec un univers parallèle où je croirais pas en Dieu. Tu ne mettrais zéro chance dans un après, dans une poursuite, un. En fait, en tout cas, j'aurais pas spontanément cette idée que de toute façon il existe un après. Mmh. Sachant que cet après, par contre, j'ai aucune raison de penser que dans cet après, je suis toujours Bruce, mais genre qui flotte quelque part. Oui, tout va pas dans le folklore. Non, moi c'est plus dans l'idée que je rejoins un truc qui est un peu plus grand, quoi. C'est, La rivière de la vie. Il y avait une fois, j'avais fait une analogie qui était un peu moisie, mais qui avait son sens. Je disais, c'est imagine maintenant que tu que absolument toute ta personne et ta conscience et tout ça est concentrée dans ton doigt, dans la dernière phalange de ton index, voilà. C'est-à-dire, t'es aveugle, sourd, muet, tout ce que tu veux, t'as juste de la sensibilité ici. Spontanément, je me dis que tu vas placer, si t'arrives à formuler des pensées, etc., parce que, on va dire, tu peux pas parler, mais c'est un jeu d'esprit, tu vas placer ta conscience ici. Le truc, c'est qu'à un moment donné, si t'arrives à toucher ton doigt d'à côté, tu vas peut-être le reconnaître comme un autre. Et donc, t'auras l'impression d'avoir un individu distinct de toi, mm-hmm. alors qu'en réalité, vous faites partie du même organisme. J'ai un petit peu cette idée-là au niveau, non pas seulement de l'humanité, mais de tout, un peu de tout, quoi. C'est marrant, on se retrouve vraiment c'est, sur... C'est un peu New Wave, ce truc-là, de genre rejoindre tout cosmologique. C'est New Age à partir... Non, je suis pas mais d'accord. Je vois ce que tu veux dire. C'est des portes, en tout cas, qui peuvent amener au New Age. Mais je trouve qu'elles sont tout à fait prudentes et il y a un pourquoi pas qui est tout à fait pesé. Moi, quand je vais mal, je cherche pas du réconfort dans un être hypothétique à qui je parle, mais je peux regarder l'univers et me dire « Putain, mais ce truc est réel, ce mystère est réel, ces trucs-là nous résistent vraiment, questions-là nous résistent vraiment. Il y a quelque chose qui existe et qui nous résiste, qui résiste à notre compréhension totale. » Et même si t'arrives à trouver, c'est-à-dire que même si on arrive à faire sauter le pan du Big Bang, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver, on dit « Ouais, en fait, le Big Bang a été causé par... » Une étincelle quantique. Je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Ok, mais cette étincelle a été causée par quoi? Oui, c'est ça, c'est l'origine. C'est à un moment donné. Étienne Klein, il dit un truc très beau sur l'origine. Ouais. Il dit que l'origine, c'est pas le début d'une chose, c'est la fin d'une autre.
l'origine marque toujours la fin d'une chose qui démarre une... Enfin, ouais. Tu sais quoi ? On va mettre Étienne Klein qui le dit. On a compris avec une précision assez incroyable l'origine des éléments chimiques. Comment les atomes se sont formés dans l'histoire de l'univers. Les plus légers dans l'univers primordial, ceux qui sont un peu plus lourds jusqu'au fer dans les étoiles, et puis les plus lourds dans des explosions d'étoiles qu'on appelle des supernovas, donc du fer jusqu'à l'uranium et au-delà. Et tout ça a été parfaitement compris. Mais quand on dit qu'on a compris l'origine des éléments chimiques, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on est capable de raconter toutes les histoires précédant l'apparition des objets, pas des éléments chimiques, dont les éléments chimiques sont l'aboutissement. Autrement dit, pour un scientifique, et c'est là toute l'ambiguïté de la chose, le mot « origine » veut dire non pas « commencement », mais « achèvement ». Origine est synonyme de « conclusion ». Raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire précédant cette chose, dont cette chose est la conclusion. Comprendre l'origine d'une chose, c'est comprendre ce dont cette chose est la fin. Et ça marche pour les atomes, ça marche pour les molécules, ça marche pour les planètes, ça marche pour les étoiles, pour le vivant. Et beaucoup de choses en biologie. Mais vous voyez bien que cette façon de raconter l'histoire par le biais de généalogie bute sur l'origine de l'univers, qui est considérée comme une origine absolue. Moi, j'ai un trip. Parfois, je me dis, ça se trouve, Dieu, c'est un être qui se balade dans toutes les créatures de l'univers, à travers le temps et l'espace. Et en fait, toi, moi, on est la même personne, mais à des écarts différents, et on fait le chemin dans tout le brol, tu vois. Je trouve ça... C'est-à-dire que dans tout l'univers, en fait, il n'y aurait qu'une seule forme de vie. Il y a une seule conscience. Il y a une seule forme de vie qui a tapé des allers-retours. Voilà, elle s'incarne dans cette truc... Un brin d'herbe, puis le moustique, puis le cheval à côté, puis l'arbre, puis... C'est très c'est Douglas Adamesque ouais. comme idée. C'est marrant. Douglas Adams, c'est à un moment donné, il se retrouve en 1804 en train de remonter le temps et il est en panne d'essence. Ça, c'est Douglas Adamesque d'un coup. Tu veux dire quoi, Arnaud ? La chaîne Kurzgesagt a fait un excellent court-métrage sur le truc que tu dis. C'est pas vrai. Oui. Ça s'appelle The Egg. Merde. Ah, The Egg, le lien dans la description. Bon. On embrasse Philippe hein, s'il nous regarde. De la chaîne Kurzgesagt, créateur. Ouais. Bah écoute, c'est vachement intéressant parce que j'avais l'impression d'être un peu, pas seul, hein, mais il y a un interdit évidemment dans la commu sceptique sur le... Ouais. Alors que quand je prends en aparté plusieurs sceptiques, ça m'est déjà arrivé, bah ils sont pas du tout frigides à cette idée-là et ils ont même, il y a même une envie en fait d'aller... C'est marrant hein, parce que tu te dis, parce qu'en vrai c'est un sujet qui est hyper facile pour les sceptiques. En vrai, c'est hyper facile pour les sceptiques de dire « mais t'as aucune raison de croire en Dieu ». Alors pourquoi bloquer cette question-là ? Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils refusent cette question-là. Alors après, je peux comprendre, c'est parce que des fois, ils se retrouvent face à des gens qui sont des religieux, qui vont essayer de les convaincre qu'il faut qu'ils rejoignent le côté machin, parce que sinon... C'est pour ça qu'il faut bien séparer. Là, on est plutôt sur une espèce de, je vais dire, philo de comptoir, on va dire ça comme ça. Si ça te va, avec la noblesse que ça contient, hein, la philo de comptoir. Moi, tant qu'il n'y a pas d'oignon, tout me va. Donc moi, je ne vois pas de souci à ça, mais effectivement, on marche sur des œufs parce qu'on a peur de nourrir le camp d'en face qu'il faut absolument détruire et qu'il faut absolument déconvertir. Mais je pense que croire, c'est une liberté aussi. Ouais, mais tu vois, c'est par exemple, moi, je peux comprendre qu'il existe un clash, j'aime pas le mot clash, mais on va dire qu'il existe une confrontation intellectuelle entre croyants et athées. Mm-hmm. Je voudrais savoir, maintenant, le problème, c'est que si on commence à dire qu'il existe une confrontation intellectuelle entre croyants et sceptiques, il va immanquablement arriver un moment où les sceptiques vont reprocher à certains de ne pas être athées. On va dire, mais t'es pas athée, t'es pas sceptique. Puisqu'on combat ce truc-là, donc tu ne peux pas être... La vraie tradition sceptique, enfin la vraie tradition, c'est pour ce que ça veut dire, à mon sens la en tout cas, elle n'a pas à s'occuper de ça, c'est pas son rôle. C'est un peu, moi, là où je m'étais arrêté. C'était que c'est pas notre problème. Et moi, quand je vois des athées qui combattent des religieux, donc des athées, des gens qui ne croient pas en Dieu, des gens qui affirment que Dieu n'existe pas, je vois une guerre de religion, en fait. Oui. Je vois juste ça. Pour moi, affirmer que Dieu n'existe pas, c'est aussi con qu'affirmer que Dieu existe. Et j'aimerais bien, d'ailleurs, en commentaire, que des gens qui se retrouvent dans cette conception-là de Dieu, assez libre, puissent s'exprimer, l'exprimer, nous dire leurs théories, leurs hypothèses, leurs... Et pourquoi ? Qu'est-ce qui les a... Rejoignez-moi.
Mais j'aime bien, moi, j'aime bien ce... Parce que tu vois, pour moi, la croyance... Alors, je parle de la croyance hors science. Ouais. Tout est croyance, hein, on le sait, et la connaissance est un sous-ensemble de la croyance, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se limiter à la connaissance. On a le droit d'aller faire des tours, là, par-ci, par-là, tant qu'on confond pas avec la connaissance. Voilà, c'est tout. Moi, je vois pas de problème avec ça, et je pense... Alors, moi, je sais, si tu me demandes, est-ce que je crois en Dieu, je dis oui. Si tu me demandes si j'ai des preuves que Dieu existe, je te dis non. Pourquoi tu y crois, alors? C'est quoi la réponse? Pourquoi tu y crois? Ah, pourquoi j'y crois? Parce que... Mais j'ai pas de raison. En fait, le truc, c'est que j'ai pas de raison d'y croire. Je vais te dire un truc tout con déjà, c'est que je pense que si j'étais né dans une autre famille, à un autre moment, peut-être que je serais ultra convaincu, peut-être que j'y croirais pas du tout. Parce que globalement, il y a quand même la plupart des gens. Autant je pense que c'est pas le cas pour les athées, autant je pense que pour la plupart des gens qui sont croyants, ça vient d'abord de la famille dans laquelle on a grandi. Hein, Ça, c'était... comment il s'appelle? C'est très, très fort. Comment il s'appelle? C'était... merde! C'est un humoriste américain qui... J'ai oublié son nom, je te le retrouverai. Hein? Non. C'est un assez récent, qui me fait beaucoup penser à Navo, d'ailleurs, qui, dans un de ses spectacles, il dit « Moi, j'ai grandi dans la pure tradition catholique, j'ai respecté les quatre étapes... du catholicisme, hein, donc baptême, communion, confirmation, athéisme. Mais chez les Américains, et tout le public est mort de rire, parce que chez les Américains, effectivement, l'athéisme, c'est un truc en soi qui peut pas exister de la même manière en France, qui est laïque. Quoi qu'on pense de l'efficacité ou non de la laïcité en France, c'est le fait est que ça, l'athéisme ne peut pas y exister de la même manière. L'athéisme américain, c'est... Mais après, si tu veux, moi, j'ai rencontré des athées qui sont très détendus et j'ai rencontré des athées qui sont ultra dogmatiques, en fait. Ouais. Moi, tant qu'on cherche pas à me convaincre qu'il existe ou qu'il n'existe pas, moi, tout me va. Hein. Bah, c'est ça, en fait. Enfin, tout, non. Il faut pas qu'il y ait d'oignons. Il faut pas qu'il y ait d'oignons, c'est ouais, quoi, c'est... ça? Je sais pas si c'est la deuxième fois que je parle des... J'aime pas les oignons, c'est tout. Non, moi, j'adore ça, en fait, les oignons. Mais cuit, je te rassure. Bon, bah écoute, je te remercie, c'était très plaisir. Cool. Je voudrais quand même te poser une toute dernière question. Ouais. Imagine, il n'y a pas eu la communauté sceptique. Ouais. Oh. Tu me tends des perches comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Imagine, il n'y a pas eu la communauté sceptique. Est-ce que tu te revendiquerais volontiers du scepticisme? Juste pour sa culture, je parle. Non, en fait, son corpus de connaissances, on va dire. Moi, en fait, c'est le terme de sceptique qui me dérange. Imagine que c'est un bon nom. C'est le mot sceptique. Ouais, c'est-à-dire que... Mais... Parce que sceptique, moi, ça m'emmerde aussi. Hein, on dirait, par exemple, tu dirais, on fait partie des rationnels. Ouais. Tu vois, je sais... Bon, rationnel, ça couvre peut-être pas exactement la même chose, mais mettons que le mot, ce serait on est les rationnels, je pense que j'irais beaucoup plus facilement. Sceptique, il y a quand même un aspect négatif. Sceptique, c'est... alors, on va dire non, en fait, sceptique, ça veut dire je doute. Sauf que moi, sceptique, sinon, je ne crois pas. C'est ça. C'est genre, non. Moi, il y a deux trucs qui m'emmerdent dans ce mot-là. Le premier truc qui m'emmerde, c'est quand on me dit sceptique, j'imagine la tronche de quelqu'un qui fait... C'est ça. Tu vois? C'est un frein, en fait, sceptique. Et ça m'énerve. J'ai les fausses sceptiques. Je crois que personne n'a jamais fait cette vanne. Ouais, je suis sûr, je suis le premier. Et puis, il y a le deuxième truc qui m'emmerde, c'est au nom de quoi j'irais dire au mec de Reopen 9-11 que lui, il n'est pas sceptique. Parce que le mec doute à mort de la version officielle. Il est sceptique de cette version officielle. Il doute ou il est convaincu que c'est faux? Ouais. On va dire qu'il y en a, on va dire qu'il y en a qui doutent. Il y en a qui doutent. Il doit y en avoir qui doutent, mais je pense qu'eux, ils sont convaincus que c'est faux. Mais c'est un mot du dictionnaire, sceptique. C'est pas un... Oui. Voilà, c'est juste un mot qui décrit un état, une façon, une approche, et ça ne dit pas qu'on est dans la bonne façon d'être sceptique ou de mauvaise façon. Et je trouve ça embêtant, ce mot. Ouais, moi, sceptique, pour moi, c'est un mot frein. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Et c'est comme si une fois, j'avais dit... je sais plus à quelle occasion, mais j'ai dit plusieurs fois, d'ailleurs. J'ai dit, c'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème... Fondamentalement, j'ai aucun problème dans l'esprit avec la zététique. Mais j'ai des gros problèmes avec les zététiciens. Mais pas tous, tu vois, je veux dire, c'est encore une fois. Mais c'est, ouais, c'est... ça, t'as l'air de me tolérer, c'est cool, moi je suis content de ça. Ça va. Ça va. Ça va. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que la zététique, moi j'envisage. Pour moi, la zététique, c'est une méthode, c'est un machin, c'est un ensemble d'outils, c'est. Ok, tout ça. Zététicien, pour moi, je suis maintenant quasiment. Je suis devenu quasiment incapable de ne pas le lier à un moment donné à un courant de pensée ou à une doctrine ou à un combat spécifique, quoi.
alors que ça devrait être juste le gars qui utilise les outils, la méthode et les trucs en... Le gars ou la meuf, hein. Oui, on revient des années 80, voilà. On disait les mecs tout le temps. C'est ça. Y compris aux meufs. Y compris aux meufs. Ça va les mecs? Vous voyez des meufs? Ouais, c'est pareil. Tu vois, on disait c'est pareil. Les meufs, elles se vexaient. Alors qu'on disait c'est pareil. Merde. Bref, non, on digresse. C'est dangereux. C'est dangereux. T'as dit un truc très sage d'ailleurs un jour sur ces sujets-là. Ouais. T'as dit que ces sujets-là étaient beaucoup trop importants que pour mal en parler. Et j'ai trouvé ça très fort. Ah oui, bah c'était dans la vidéo sur Matrix où je dis on va pas parler de wokisme maintenant, c'est un sujet qui est beaucoup trop complexe pour se permettre de mal en parler. Ouais. Exactement. Voilà. Et ça, c'est beau. Vous avez vu comment c'est classe, comment il m'a recadré? C'était des gens qui me regardent comme ça toute la journée avec plaisir. D'accord, les Twittos? Enfin, les Ixos? Je sais pas comment ils appellent comment. On est dans la merde, hein. On les appelle comment maintenant? Oh, No Life, c'est un bon truc. Moi, je peux pas mettre quelque chose de négatif derrière ça. Mais tu rigoles, mais tu sais que maintenant, j'ai entendu quelqu'un qui. Comment. Je sais, ça se trouve, c'est un truc qui existe depuis des années, je suis un ringard, quoi. Mais quelqu'un qui a commencé à parler des Yes Life. Les Yes Life, c'est ceux qui ont une vraie vie dans le monde réel, ok? Pas comme tous ces bureaux de No Life, tu vois. Je fais partie des Yes Life. Mec, je sais pas quelle vie tu as pour te définir toi-même comme un yes life, mais allons-y. Ça en dit long, ça y a quelque chose de très méta dans le fait mais de faire quelque chose. C'est vrai que, mais après les gens ne vont pas nécessairement avoir la ref, mais c'est vrai que quand on dit no life, ça nous rappelle des trucs, ça nous fait un bah pincement. Bah oui. No life. Bah oui, ça fait un gros pincement. Il y en a plein qui savent, mais il y avait une chaîne de télé qui s'appelait No Life, et c'était particulier. Ouais, cœur à vous les No Life. Bref. Bon, on va arrêter la vidéo parce qu'elle est très longue et j'essaye de... Il veut dormir, lui, il n'en peut plus, lui. Ouais, alors bon, on est... Vous me connaissez, là, je suis pas dans le max de la pêche, mais on est au 50e jour de cancel, là, j'en sais plus rien, moi. 5e. C'est simple, on a commencé dimanche, on est vendredi soir. Bah, 6e. Voilà, donc là, je suis... j'ai dû dormir avant, j'ai dû boire un café, j'ai dû... Voilà, donc... Et il jouait très très mal à Mega Man 2. Je jouais mal à Mega Man 2, putain, mais tu écris ça dans l'histoire de l'univers, du toi. Du coup, il cheatait à mort, il faisait des retours en arrière... Pour effacer ses chutes et ses coups, c'était tellement honteux, j'avais de la peine, j'avais beaucoup de peine pour lui. Je confesse. Bruce, je ne t'inviterai plus jamais. Allons bien nous faire annuler. Ouais. Et sur ces bonnes paroles, je te remercie beaucoup, j'espère que ça aura inspiré les gens. Toi, évidemment, tu te retrouves sur ta chaîne, tu as repris les vidéos, tu fais des trucs beaucoup plus libres maintenant. Hein. T'es un petit peu brisé tes chaînes de toujours parler de science, toujours rester dans mes formats, toujours dans ci. Quitte à me faire emmerder par des cons, autant me faire plaisir par ailleurs. C'est ça, voilà. Parce que je sais que la plupart des gens, eux, ils apprécient mes vidéos et quand ils apprécient pas, simplement, ils regardent pas. Ou des fois, ils me disent un message pour me dire, écoute, moi, cette vidéo, ce sujet m'intéresse pas. T'attends la suivante. Et c'est très bien. Et puis, les cons, je peux parler de tout, de rien, ça fera toujours chier, donc... On prend tout ça beaucoup trop au sérieux. Vraiment beaucoup trop au sérieux. Enfin, c'est mon... Après, des fois, on a des raisons de prendre des trucs au sérieux, en fait. Oui, il y en a qui... Ouais. Bon, rappelez-vous, Twitter n'est pas dans le monde réel. Voilà. Non, de loin de là, loin de là. Il en fait partie, mais... C'est pas un lieu réel. Exactement. Voilà. Est-ce que t'as un mot de la fin, toi, dans ce genre de situation? Chaque fois qu'on me dit... Toi qui arrives à improviser... Moi, je déteste le faire, parce que je déteste qu'on me le fasse, mais... Chaque fois qu'on me dit, est-ce que t'as un mot de la fin, je fais toujours la même vanne, je dis genre moutarde, ou... Enfin, voilà. Est-ce que j'ai un mot de la fin? Croyez en Dieu, ne croyez pas en Dieu, croyez en ce que vous voulez. Juste, par contre, ne croyez pas en des trucs dont il a été prouvé que c'est faux. Voilà. Non, mais... Oui, carrément. Doutez quand il faut douter et méfiez-vous des trucs qu'on vous colle dans le... Voilà. Et évitez d'être certain qu'un truc existe sans avoir de raison valable de croire que ce truc existe. Mais c'est ça. Pas pour autant que vous devez cesser d'y croire. Pourquoi pas? Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Donc ouais, prenez bien soin. Tout le bordel, vous connaissez la chanson. Si Dieu veut. Si Dieu veut. À vite.